Épisode 14 du Nuzlocke sur Noir 2, et le gamin nous dit qu'il a rejoint la bande hier, alors ça veut dire que c'est un dur, voilà. Et salut à tous au fait, hein, parce que oui, quand même la moindre des choses. Troilos ? What ? C'est quoi ce nom de merde ? Ok, Cloudy ne va pouvoir rien lui faire. Aramis, hein. Comme ça, voilà, je fais le truc. Et puis, il va peut-être lancer une attaque ténèbre. Putain, il y a deux. Ah non, bon bah. Un double pied. Comme ça, on le nique, on lui nique sa gueule. Au scalproie. Voilà, ça c'est fait. Un bon début d'épisode, hein. La vie de voyou, c'est pas de tourpeau. Tu parles un peu comme un mec de la campagne, tu fais des trucs, tu loupes des lettres. Alors, toi, Zozo l'artichaut, des dunes, une moto, c'est sauvage, c'est beau. Ouais, si tu veux. Avel. Ah, il a saucisse lui aussi. Pourquoi je tombe toujours sur des Pokémon que Cloudy ne peut pas mettre KO ? Hein, c'est pas juste quoi. Bon, tant en cul. Cloudy, la pauvre. C'est vrai que contre les types proches et assis, elle peut vraiment rien faire du tout quoi. C'est un problème qu'il va falloir résoudre avec les prochaines attaques. Oui, fermeté, je sais. Attaque feintage. Feinte. Ninja. Et Raffle Psy, allez hop. Et c'est le chaos! Voilà. Un coco, oui. Envoyer... Right Jim. Oh yeah! C'est moi ou il y a... Il y a un peu une couleur bizarre, j'ai l'impression, non? Oh. Non, peut-être pas. C'est peut-être de changer de version à chaque fois, les Pokémon changent un peu de couleur, donc... Oui, j'ai augmenté sa frénésie, mais comme un boulet, il n'utilise plus cette attaque. Et puis, on a fini cette route. Presque. T'entends que le niveau 24, yes. Parce que là, il n'y a rien, hein. Ouais, il n'y a rien. Ok, donc on quitte cette route. On va juste aller voir la madame pour soigner nos poké. Parce qu'elle est gentille. Hein. Mais on va pas aller vers le nord, vers la nouvelle ville. On va aller vers un autre endroit. Tiens, on va en profiter pour faire un peu level up Cloudy contre ce Balignon. Voilà. Balignon. On sent 3 points d'exp. Lol. Hop, la madame qui habite là, comme d'hab. Non, elle a pas changé d'endroit. Hein. C'est là que tous les épisodes changent d'endroit, tu vois. Pam, pam, pam. Et on va aller par ici. Bonjour madame. Le château enfoui est englouti par le désert. Son souvenir sera englouti par l'oubli lui aussi. Il y a des camions qui passent, hein. Je crois tout permis. Et là, on est dans le désert délassant, mais... Je ne vais pas affronter les pokés de cette zone-là tout de suite. Je vais plutôt aller affronter les Pokémon de la zone d'à côté, qui seront peut-être un petit peu plus puissants. Quoique là, je vais sûrement en rencontrer un juste avant, donc on verra. Ah non. Voilà. Alors, est-ce que tu me donnes un item, toi? Ouais... Pokémon surgissent comme dans les cavernes. Oui... D'accord... Alors là, il y a une infirmière, on va lui parler après. Mais d'abord, on va aller capturer un Poké. Quel sera le Pokémon du désert délassant? Un Bulbizarre. Ah, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. J'aimerais beaucoup le prendre. Mais je sais pas. Est-ce que je le prends maintenant ou après Parce que je pourrais lui apprendre pas mal de choses hein, déjà. On va faire étonnement. Voilà. Je pourrais lui apprendre pas mal d'attaques, des CT qui pourraient lui convenir. Je pense qu'on verra quand j'aurai un Pokémon KO, je pense. Mais je le prendrai, hein. Si j'ai un Pokémon KO, c'est un des premiers que je prendrai, je pense. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc Safari Ball. Comment je vais l'appeler? Bulbizarre est attrapé dans une Safari Ball dans le désert. Nique la logique. Bulbizarre, le Pokémon graine. Au matin de sa vie, la graine sur son dos lui fournit les éléments dont il a besoin pour grandir. Pokémon plante poison. Derp. Le truc c'est que j'aimerais bien le faire éclore en le faire évoluer en Florizarre. Ce sera Floridelp. Voilà. Au cas où un jour je le prends, tu vois. Donc Floridelp. Et alors, on va pas tout de suite faire les dresseurs. Car il y a une autre zone avec un autre sauvage juste à côté. On va se faire les dresseurs après. Alors toi, je t'esquive. Comme ça, s'il y en a un... Bon, ok. D'accord, toi, je t'affronte. Comme ça, s'il y en a un que je pense que je peux prendre... genre un type O plus intéressant, ou un type... ou un truc comme ça, quoi. Bah, on verra. C'est là que je vois un Rayquaza et tout. Claudie dégage, quoi. Alors, bah, étonnement. Hein. Ça fait que dalle. Mais il a la trouille. Pic-pic, on va voir ce que ça fait. Ce sera sûrement plus efficace. Quoique. Buldo. Ouais. Bah écoute, j'aimerais bien quand même le battre avec Claudie. Ce serait cool. Donc, épisode désert aujourd'hui, hein. Et non pas dessert. Ce serait pas mal. Je commence à avoir la dalle en plus. Ça va être bientôt l'heure du goûter dans une demi-heure. Je bouffe mes granolas, j'en ai encore plein. Oh l'enculé, putain. Ok, donc. Étant donné que ce bâtard a soin, nous allons switch. Sur un Pokémon un peu plus zapt, le buter en un coup. J'ai nommé Raijin. Ouais, soigne-toi. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Écoute. J'ai une attaque éclair. J'ai une attaque morsure. Donc, t'es un peu dans la caca. Ouais. Tiens, d'ailleurs. Ça, ça fait 40. Ça, ça fait 60. Mais en quoi il est plus spécialisé pour l'instant ? Ouais, vachement plus spécialisé attaque SP. Alors, le connaissant, il va faire soin, ce bâtard. Je vais attaquer avec éclair. Soin, je m'en doutais. Et puis, là, je vais le mettre KO. Théoriquement. Voilà, KO. Dégage. On va switch après, parce que Raijin fait la gueule. Claudie 23. Ok. Un Drascore. C'est un Pokémon vraiment cool. Et ben on va envoyer... ouais, saucisse, ça fait longtemps. Ah, le bâtard de merde.
C'était limite. C'était très limite. Lame de roc, écoute. Acupression, ouch. T'augmentes quoi comme stat là? La défense P. D'accord. Lame de roc, c'est physique, hein. Ouais. J'avais un petit doute. Wow, et le poursuite qui a failli tuer Raijin, quoi. Heureusement que non. Puis ok, c'est bon, saucisse niveau 24. Plus de saucisse. Raijin niveau 24. Impressionnant. Impressionnant. Cloudy, bah on va te garder, ma vieille. J'aurais besoin de ton aide pour capturer un poké. Puis allez hop. Voilà. Et il y a un item qu'on va prendre tout de suite avant de l'oublier. Un champi suave. De l'argent. Et les ruines en fait. Les ruines, je sais plus quoi. Le château enfoui. Et le dresseur dedans aussi. Ok, donc il va falloir que j'y retourne quoi qu'il arrive. La 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 la. Please. Allez, un bon truc, un bon truc, un bon truc, un bon truc, un bon truc. Vous savez que j'avais parlé de type dragon qui était mieux que Cloudy. Mais what, quoi? Sérieusement, je suis devin. Alors, c'est juste qu'au début, il n'a pas de très bonnes attaques, mais après, waouh, quoi. Je crois que Dracolos va join the team. Champ canon. Ok, je vais faire un critique en plus, donc ça c'est cool, je peux encore lui en encaisser au moins un, ça va rien lui faire. Puis là, je vais faire un étonnement plutôt. Parce qu'un coup critique de champ canon, ça le mettrait KO. Cage éclair, hein, c'est intéressant ça. Je pense que ça va le faire. Cloudy est paralysé, le para-axe continue. Faudrait que je regarde quelles attaques il a. Faudrait que là, c'est vite l'attaque. Un tour qui sert à rien. Dracorage, waouh! C'est ultra puissant en début de Nuzlocke. Parce que c'est un truc à dégâts fixes qui fait 40, et genre jusqu'au 5ème badge, ça deux shot les Pokémon, quoi. Pokéball. Est-ce qu'une Poké va suffire? Je sais pas. On va tenter. Étant donné que le catch rate était augmenté, ça pouvait peut-être le faire. Non. Ok. Par contre, oui, on va soigner Cloudy. Je viens de tilter là. Parce que un Dracorage, c'est le chaos quoi. Ok, il dort toujours. On va lancer une donc une Super Ball. On va tenter une chrono, tiens. Allez, ouais, ça va changer. Oh, ça fait des particules assez sympas. Ouais. Nice! Dracolos est capturé. Dracolos, c'est le Pokémon de Dragon. On raconte qu'il vit quelque part en mer. Il guide les équipages naufragés jusqu'à la terre ferme. Alors l'avantage de Cloudy, c'est qu'elle avait berceuse. Mais lui a cage éclair, donc c'est aussi... Bon, c'est un peu moins bien, mais c'est aussi bien. Je vais juste aller voir les attaques qu'il a. Et je reviens pour lui donner le surnom. Ouais, donc il apprend vraiment des attaques cool. Et si même je peux trouver Nekaiker, je pourrais même lui apprendre Point de Feu, ça pourrait être génial. On va l'appeler Dovahkiin.
Puis j'en ai profité pour être sûr d'où se mettait le H dans Dovahkiin. Donc Dovahkiin est envoyé dans la boîte 1. Ah, je suis content. J'ai un bon poké, là. Et on va tout de suite aller au centre Pokémon. Ouais. D'ailleurs, on va mettre Aramis en premier. Hop là, j'esquive. Ok, donc bah, on se rejoint au centre Poké. Allez, hop. Petite ellipse. Voilà. On a un médaillon. Ok, on lui parlait. Je t'attendais. Voici une nouvelle médaille. Swag. Nominator. Ok. Alors... Déplacer Pokémon. Malpoli. Ok. Empêche le Pokémon d'avoir peur. Un peu plus de Death Sp, un peu moins de vitesse. Why not? Lui, il est plus vitesse, moins attaque Sp. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage pour lui. Et donc, comme je l'ai dit, Dovahkiin join the team. Alors toi, donne-moi mon mouchoir soie. Et à Dracolos, on va tout de suite lui donner... J'avais pas eu un croc dragon. Ah, j'en ai deux. Cool. Ouais. Et pour Floridurp, on verra quand on aura un Pokémon KO. Alors, je soignais le Poké parce que je l'ai pas fait. Question ball, c'est largement bon, je dirais. Et on va voir s'il peut pas apprendre des CT. On va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hein. Alors, déjà, par numéro. Choc venin, ça m'étonnerait. Effectivement, il n'est pas apte. Frustration, non, retour. Non, repos, attraction, flash, lame de roc, survin insecte, rengorgement, ne herbe, éclat troc. Bon, ok, j'ai pas grand chose pour l'instant en CTCS. J'ai pas grand chose. Tiens, toi, tu vends pas des CT des fois Des bols de merde. Tiens, en fait, je vais te vendre des trucs, toi. Les deux Poképlumets, déjà. Ce champi suave. Ah, il peut pas l'acheter. Et vieux tortillo plus, il peut pas les acheter. Ok, donc ça au moins c'est réglé. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais un Evoluroc. Ok, bon bah. Il servira pas. Et on se retrouve au désert délassant parce que voilà quoi, ça fait un peu loin. Ah, j'avais complètement oublié. Je suis allé en mode vite fait bah, tout droit et bah voilà. Les éleveurs, on les raffronte. Bon, c'est pas très grave. Ce sera l'occasion de tester Dovahkiin. D'ailleurs, j'en ai profité pour lui donner le multi-exp. Comme ça, il va augmenter un petit peu plus vite. Et Dracorage, allez, on va se faire plaisir. Yeah! Take that, motherfucker! Ouais, ça fait super mal, Dracorage, quoi. Et hop, Twister, ouragan. Papinox est KO. Ah, ça pourrait être un bon truc pour entraîner Dovahkiin d'ailleurs. Je viens de remarquer là. Vous en pensez quoi? Ouragan, ouais. On va voir ce que ça fait comme dégâts. Ok bon. Vive Dracorage quoi. Vive Dracorage. Ah, j'aurais pu acheter des glaces volutes tant que j'étais à... Ouais. Je pense qu'on fera ça après. Non, je voulais lui en donner une, justement. J'ai racheté des limonades, d'ailleurs. J'en ai profité. Mais des glaces volutes, j'y ai pas pensé. Et puis tiens. Hein, voilà. Hein.
On va la raffronter encore. Puis c'est vrai que ça fait du fric gratos, ça fait de l'XP gratos. Moi je dis oui. Papy Nox again. Tovakin. Dracorage. Tornade, ouais. Ouais, j'aurais pu faire Twister, hein, ouragan. Je crois que je dis Twister, je sais pas pourquoi. Megapi. Allez hop, dégage. Divattaque, ouais, bof. T'aurais pu faire un autre truc, mon gars. Hein. C'est cool, voilà, Dovahkiin monte au niveau 20. On va essayer de le faire rattraper son retard, mais face au... Face au sauvage, je pense. Quoique... Quoique... Ah ouais, je vais le soigner peut-être par contre. Quoique, attends, ce serait pas mal qu'il affronte d'autres Dracolos. Ouais, quoique ce serait risqué. Ah, ce serait un peu risqué, hein. Allez, bon. On va le faire affronter des dresseurs et des sauvages. Attends, j'aurais pu avoir quoi ici? Ok. Oh. Ouh. Ok. Ok. Bon, écoutez, on va rester un petit peu sur cette route. Dénommé, oui. C'est vrai qu'à part Dracorage, pour l'instant, Dovahkiin n'a pas grand-chose comme attaque, en fait. Mais bon, ça va venir assez vite. Je crois qu'il apprend un truc vers le niveau 23-24. Truc pas mal, en plus, il me semble. C'est juste abusé, quoi. Allez, non, mais oui. Ah bah tiens, voilà, souplesse, c'est génial. Niveau 21. Au revoir, gros yeux. Tada! Dovahkiin apprend souplesse. Tiens, d'ailleurs... J'ai pas bien regardé ses stats. Ouais, il est plus attaque. Ok. A priori, hein. D'accord. Ça pose pas de problème. On va rester là pour les noms, mais oui. D'ailleurs, il y a un endroit où je suis pas allé dans cet endroit. Ouh, Terra, waouh. Ça donne pas mal d'XP aussi. Ça donne pas mal d'XP. Il va juste falloir faire super attention. Grimace, d'accord, ça baisse ma vitesse, donc tout va bien. Ce silence, un truc de bâtard du genre éboulement, un truc du genre, ça peut faire super mal. Dracorage, grimace, bon, ok. Il y a peut-être un item qu'on n'a pas récupéré ici. Ce serait pas mal de le prendre. Elle me donne combien d'exploits? 500, ouais, un peu moins que les noms, mais oui, mais c'est déjà ça. Y a pas un item en bas? Non, ah bah je croyais, tu vois. Ah, y'a un non mais oui. Terra encore, ok. On va juste faire level up un peu Dracolos avant. Hein. Juste histoire qu'il soit level 23. Ce serait cool. Ouagan, ça a combien en puissance? 40. Ouais, c'est pas si puissant que ça, quoi, mais... Ça pourrait peut-être suffire pour le battre? Même pas. Morsure. Ok. Bon. Ah oui, ça va. Encore un petit sauvage? Allez, on en met oui. Archéapti. Ouais, il y a beaucoup de types proches là, je remarque. Dracorage, allez hop, dégage. Presque KO. Encore deux pokés et on attaque la prochaine zone. Et en plus, il y a une infirmière en début de zone, donc on va aller l'affronter tout de suite et pourra soigner nos pokés.
Il y a pas mal d'objets dans le désert à côté. Tarsal, oh, ça aurait pu être classe, ça. Alors, sachant qu'il est pas type fée, hein, je peux y aller à fond. Je peux y aller à fond la caisse. Reflet, ouais. Et l'esquive augmente. Et les KO, voilà, lol. Allez, qu'il soit au moins niveau 22 avant de rentrer dans la zone. Terral. Ça pourrait être vraiment classe, ça. Hein. Un Terral. Par contre, fais gaffe, il a bélier. Ouais. Ça va le faire. Coup critique en plus. 206, niveau 22, allez hop. T'augmenteras avec le multi-exp. Hein. Aramis. Et on va aller affronter cette infirmière. Salut, soigne mes Pokémon, please. Je suis dressée avant d'être infirmière. J'ai merde envie de faire un combat. Ouais. Une belle infirmière Pomodoro. C'est quoi ce nom de merde? Niveau 24. Wow. Et double pied, ça va le tuer. Très certainement. Pfff, en un seul coup. Dovahkiin a gagné. Soigne mes Pokémon. Pam, pam, paladam. Profitez bien du désert délassant. Allez hop, Dovahkiin. Fais ton plaisir. J'avais un Pokémon type O, ça me facilite la vie. Je croyais que t'es un dresseur, toi. Toi, donne-moi... Ouais, affronte-moi et donne-moi ton item, après. Faisons un combat. On va rester longtemps dans ce désert, je crois. Baptiste. Again? Quoi? Azumarill. Qui n'est pas type fait. Bam, badam. Tempête de sable se prépare. Dovahkiin utilise Draco Rage. Oui. Roulade, ouf, ça va rien me faire. Ouais. C'était KO quoi. Écoute. Alors, on va aller choper cet item. Beaucoup d'XP à Azumarill, je crois. Ah ouais. On va même faire level up. On va faire level up Dovahkiin avant la fin de cet épisode. Oui, oui, on sait. Oui, quand un Pokémon est brûlé, ça, en attaque physique baisse. Oui. Bon, allez. Un sauvage. C'est... Un Polarum. Ok, on va switch. On va switch. Sur Shigetorp. Là, comme ça, Dovahkiin aura level up. Ce sera parfait. Rugissement. Et Bull Rock. Ouais, ça va l'achever. Voilà. Touché deux fois. Coup critique en plus, c'est super efficace. It's super effective. Dovahkiin monte au niveau 23. On va pouvoir lui redonner le croc dragon. Donner croc dragon. Yes. Voilà, on va récupérer cet objet. Eh, c'est un truc bien. Une flûte rouge. Qu'est-ce que ça fait déjà? Ça sert à rien. D'accord. On va reclasser les items. Et sur ce, on va arrêter là l'épisode. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 15 pour plus d'aventures trépidantes dans un désert où on crève de soif d'ailleurs. Donc salut à tous et à la prochaine.